Bonsoir, je m'appelle José, j'ai 20 ans, j'ai habité à La Vuelta et je suis un étudiant de langue moderne. Bonjour, je m'appelle José Reynaldo Briseño Araujo, j'ai 20 ans et j'ai habité à Mérida, à La Vuelta, mais je suis né à Trujillo. Je vis avec mes parents et mon frère. J'ai aussi deux sœurs, l'un s'appelle Paula Vanessa et l'autre Maria Paula. Et le nom de mon frère est José Jorge, le nom de ma mère est Carmen Aide et celui de mon père est Reynaldo Rafael. Paola a 28 ans, Maria a 25 ans, Jorge a 29 ans, ma mère a 56 ans et mon père 53 ans. Je suis étudiant en langue moderne à l'Université des Andes. D'abord, j'étais étudiant en lettres, puis j'ai officiellement changé de langue. Et de mon plus jeune âge, j'étais exposé à la langue anglaise. Et en regardant mes émissions comme La Lutte Professionnelle, par son nom en anglais, WWE, les programmes étaient intégrés, alors cela m'a fait comprendre rapidement ce qu'ils expriment et absorber la connaissance. Et j'ai toujours aimé la langue anglaise et l'utiliser pour pratiquement tout aujourd'hui. Et il voyait aussi le verrou. Mais c'était un programme qui passait avec la WWE alors qu'elle y voyait par obligation. Cependant, ce programme et d'autres contenus en anglais m'ont aidé à avoir une compréhension de la langue et de mon plus jeune âge. Et ce qui m'a fait choisir rapidement la carrière de langues modernes comme ma carrière universitaire. Et parmi d'autres de mes goûts, il y a les ponts. J'aime le pont et les jeux vidéo, le football. J'adore faire l'exercice. Je m'entraîne trois fois par semaine. J'aime aussi lire des livres. Je lis trois fois par semaine. J'aime la musique, j'aime la route. J'aime la musique, j'aime l'écouter, faire de la musique et d'écouter de la musique rétro. Et j'aime beaucoup le rap ancien, les chansons de trois récentes, et j'aime la pop. Et certaines chansons de rock que j'aime, etc. Voilà. D'autre part, en ce qui concerne mes relations sociales, j'ai une petite amie que j'aime. Elle s'appelle Rubiri. Mes meilleurs amis s'appellent Alessia et Juan. Et je connais des high school en Roumanie comme mon ami Alexandre, mon ami Taïsi de Turquie, mon ami Jonathan de Zambie, etc. Et j'aime les cultures et d'apprendre d'autres. J'ai une fascination particulière pour les États-Unis. J'aime la culture, la musique, et leur langue, presque toujours leur pays que j'aime. D'autres détails sur mon passé sont le fait que j'ai étudié à Trujillo jusqu'à la quatrième année. Et après avoir déménagé à Mérida et terminé l'école ici. Ensuite, j'ai étudié tous les baccalauréats au lycée Tulio Febres Cordero. J'ai fait 3 ans à l'école maternelle et le professeur a dit que j'étais en groupe 3 jours pour aller en premier an de primaire. D'autre part, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé à Caracas, Barquisimeto, Barinas, Falcón, etc. Voyage est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'étudier les langues. La vérité, je ne veux pas être traducteur ou avoir une charge formelle. Ce sont des choses que j'ai particulièrement par un ami ou quelque chose d'ici. Mais je veux une aventure avec cette crox. Le faire à ma façon. Et en parlant des autres choses, mes films préférés sont Parler, noms en anglais, Goodfellas, Casino, American Gangster, The Godfather, Scarface, The Irishman, etc. J'aime aussi l'anime, et j'aime les séries comme One Punch Man, Attack des Titans et Dragon Ball. J'aime aussi quelques dessins animés comme Bob l'éponge, et mes couleurs préférées sont noir et blanc. J'aime aussi d'écrire un pour ma famille. Ma mère est petite, et je vois Nox et Ox Jux Berts.
Paola a les cheveux noirs, c'est les cheveux bronzes, elle est vraiment de petites toiles. Maria est moyenne et elle a les cheveux noirs, c'est les cheveux bronzes. Jorge est moyen et cheveux noirs, c'est les cheveux bronzes aussi. Mon père est petit et a les mêmes caractéristiques en termes de cheveux et de couleurs de cheveux. Je suis moyen et nous sommes tous de peau blanche. Mon père est un peu brûlé par le soleil, donc aller à la plage. Et maintenant, à propos de mes artistes préférés, j'aime la musique d'Eminem, Cool J, Michael Jackson, Fit for Rivals, Wu-Tang Clan, J. Cole, etc. Et je vois très peu de télévision. La plupart des films ou séries que je vois en ligne. Excusez-moi. Je vois très peu de télévision. La plupart des films ou séries que je vois en ligne. Et cela me rappelle. Cela me rappelle, je travaille en ligne. Je me considérais comme une personne très heureuse, positive et enthousiaste. Je suis ici une personne disciplinée, ordonnée et avec beaucoup de foi. Bien que parfois, je puisse être un peu rustique parce que je veux faire les choses et éviter la procrastination. Je porte des lunettes. Et depuis de l'âge de 6 ou 7 ans, on m'a diagnostiqué un astigmatisme à cet âge. Au début, je ne voulais pas du tout avoir à porter des lunettes. Je me souviens que les premiers jours où on m'a dit que l'astigmatisme n'arrivait pas, j'ai pleuré beaucoup. Mais ma mère me console. Quand à la nourriture est un peu de pain clair, j'adore l'arepa, la soupe, les pâtes, les lentilles, et les haricots, les riz, les platanos, les légumes comme les brocolis, et les tomates, l'oignon, les fruits. J'aime les fruits comme les bananes, les fraises, les ananas, les mandarines. Et j'essaie de ne pas dépasser le sucre. J'aime boire du café sans sucre. Et surtout le matin où je jeûne. J'aime jeûner pour garder la bonne forme de mon corps et pour le nettoyer. Une autre, et cela m'aide à former l'esprit, parce que sérieusement, j'aime vraiment manger beaucoup. Il y a aussi plusieurs jeux vidéo que j'aime beaucoup, comme Hitman, les jeux de la WWE, Grand Theft Auto, Tekken, The Last of Us, etc. Ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est à quel point ils peuvent être intrigants et plus divertissants. Et la vérité, aujourd'hui, ne joue presque plus avec X. Mais à l'avenir, je reprendrai volontiers quelques jeux. De notre côté, j'adore les livres de motivation et des bonnes habitudes et de positivisme. Et le premier livre que j'ai lu intentionnellement était Les 7 habitudes des gens très efficaces par Stephen Covey. J'ai été inspiré de continuer à lire, créer de bonnes façons de gérer mon emploi du temps et pour dire la vérité, mettre de l'ordre dans mes jours. Depuis que j'étudie le français, j'écoute toutes les matins pendant le travail musical sur français, dialogues, vidéos et matériel sur français. J'ai l'impression que ma compréhension s'est beaucoup améliorée, que mon ouïe s'est améliorée et que j'ai parlé plus couramment en français. La vérité est que c'est la première fois que j'étudie une langue, car comme vous l'avez mentionné ou vos parents, la langue anglaise coule naturellement dans mon éducation. Une autre chose que je veux mentionner est qu'au total, j'ai eu trop de six tantes et oncles. Et mes parents sont économistes, ma soeur Paola est bien Alice, mon frère Jorge est sur le point d'obtenir son diplôme d'ingénieur système et tous à l'université de Sons. Et ma soeur Maria et Marie ont un garçon nommé Juan. Depuis que j'ai commencé la pandémie, j'ai beaucoup pratiqué la langue anglaise avec ma petite amie Rubiri. Nous pratiquons avec des dialogues, des audios et nous parlons généralement toujours en anglais. C'est aussi important. Et presque tout dans ma vie quotidienne est en anglais.
ma communication avec mes amis de respect et même avec certains accords et même avec certains au Venezuela. La langue de mon téléphone est en anglais et je dois aussi utiliser la langue dans mon travail. Et une fois, j'ai été opéré d'une entorse communicante à Valera, mais que j'ai vite récupéré. Bref, et merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre attention. C'est un peu près mon histoire, ma famille et quelques faits sur moi. Et Dieu vous bénisse.